J'ai pas toujours été là, hein. Je veux dire, avant, j'étais normal. Enfin, avant que ça n'arrive, j'aurais été allongé là, sur le divan. Et non ici, dans le vide, à 91 cm du divan. Enfin, précisément à 91 cm de là où je devrais me trouver. Continuer. Tout ça, c'est de sa faute. Météorite 250 tonnes, bon sang. Ça laisse des traces. Et donc, finalement, il n'y a pas eu de dégâts. C'est bien ça. Pas eu de dégâts? Comment ça? Ouais, c'est vrai. Seulement une antenne sur l'immeuble, en face de chez moi. Et moi? Et moi? Allô? Ah. 91 cm. Je suis exactement à 91 cm de moi. Après, c'est juste une question d'organisation, faut rester organisé, c'est tout. Chez moi, je m'en sors à peu près. Ça va. Ça se passe plutôt bien.
prévoir. Bien. La prochaine fois, nous reparlerons de l'astéroïde. Météorite, pas astéroïde. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pourtant pas compliqué. Un astéroïde, c'est lorsque... Un astéroïde, c'est quand la... Ça n'a rien à voir. C'est une météorite qui m'est tombée dessus, rien d'autre. Et tout ce que je veux maintenant, c'est retourner à ma place. Visiblement, vous ne pouvez rien faire pour moi. Oui, maman. Non? Non, mais moi non plus, je t'entends pas très bien. Écoute, j'ai bien réfléchi. C'est peut-être pas une bonne idée que tu viennes me voir maintenant. Non. Non, j'ai pas dit que ça ne me faisait pas plaisir de te voir. Non, c'est juste que... Non, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je suis complètement dé... Tu vas, toi. Tu crois pas que je vais te laisser filer? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur de Bruce? Ah, je vois, oui, effectivement. Donc finalement, il n'y a pas eu de dégâts, c'est ça. Combien de centimètres, dites-vous? Combien de centimètres, dites-vous? Bien. La prochaine fois, nous reparlerons de l'astéroïde.
Henri. Je sais pas ce que tu as, mais je commence à m'inquiéter. Ton oncle Jean m'a dit qu'il t'avait croisé dans la rue. Et tu lui as même pas dit bonjour. C'est pourtant lui qui t'a trouvé ton travail. Henri. Henri. Pareil que ça frappe une personne sur 100. Une personne comme ça. Au hasard. C'est tout ce qu'on m'a dit. On ne précise jamais aux gens de combien ils s'en foutent. On dit juste qu'ils ont perdu la boussole, qu'ils sont à côté de la plaque. Paumés, quoi. Alors un peu plus, un peu moins, finalement. À quoi ça peut servir de savoir? De savoir de combien de centimètres on s'est éloigné. La seule chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que d'où je suis, ça me fait plus rien. Plus rien. Oh, je suis là. Je suis là. Par ici. Je suis plus là. Non. Je suis là. Oh, hé. Oh. Je suis là.